Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'album. Une présentation d'album que j'ai réalisée avec la collection Bitchy Collection de chez Action. Donc, celle-ci. Voilà. Donc, il me reste, au niveau des papiers, il me reste ceci. Il me reste encore pas mal. J'ai encore quelques petites chutes de papier. Donc j'ai utilisé cette collection-ci et j'ai utilisé aussi en déco ces petits stickers façon washi que j'avais eu chez Nose. Du coup je les ai utilisés pour faire un petit peu la déco. Donc je vous présente tout de suite l'album comme ceci. Donc pour cet album j'ai suivi le tuto, enfin un tuto de la chaîne Eternity pour toujours. Je l'ai ensuite, donc j'ai suivi son tuto entièrement et après voilà au niveau des papiers de la déco j'ai fait complètement différent. Mais voilà, le tuto, c'est un tuto de chez Eternity pour toujours. Je vous mettrai en petit i ici par là je pense sa chaîne et le tuto du coup de cet album. Donc voilà comment il se présente. Donc j'ai utilisé des fleurs de chez Action. Ça, ce sont des fleurs de Scrapbooking Boutique. Donc ici, vous voyez, vous avez le petit washi ici. Ceci, voilà, que j'ai utilisé en déco. Donc là, on a un ruban bleu, un beau bleu. Derrière, c'est comme ceci. Donc pour la couverture, j'ai utilisé de la toile comme ceci que j'ai acheté dans mon magasin de loisirs créatifs que j'ai à côté de chez moi, donc la ruche aux loisirs. Donc je voulais du jaune hein, pour aller avec cet album. Donc j'ai ceci en référence, je ne sais pas si ça pourra vous aider. Voilà, donc j'ai acheté carrément une grande feuille, une très grande feuille. Je ne sais pas la dimension exacte de la feuille, mais c'était une très grande feuille, donc il me reste encore un autre morceau. Mais j'ai de quoi faire, encore pour un autre album. Donc voilà comment il se présente. Ensuite, vous ouvrez comme ceci. Ah, j'ai pas pris mon... Je voulais vous montrer l'aimant ici. Que j'ai pris. Voilà, donc pour la fermeture de cet album, j'ai pris ceci. Donc ça, ce sont des petites fermetures comme ceci. Hop, alors est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Parce que c'est extrêmement aimanté. Ouais, je ne vais pas réussir à l'ouvrir. Il me faudrait un cutter. Donc ça, j'ai trouvé ça chez sur Amazon. Donc j'ai pris carrément une grosse boîte avec couleur bronze, couleur or et couleur argent. Et il y a un peu aussi du rose gold. C'est un peu rose gold. Donc tout cet ensemble, je l'ai pris sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien donc, en barre de description. Voilà. Hop, ça se présente comme ceci. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait ma fermeture d'album. Comme sur le d'ailleurs, comme sur le tuto d'Eternity pour toujours. Voilà ce que ça donne. Et ça ferme très très bien. Voilà. Pour le papier de fond, c'est du papier de chez Lidl, que j'avais aussi pas mal. Donc du coup, je les ai utilisés. Donc voilà comment il se présente. Vous avez deux faces avec les albums qui sont posés ici. Donc là, vous avez ici, comme ceci. Donc ça, c'est aimanté. Pareil, les aimants, je les trouve sur Amazon. Donc, je vous mets ça aussi en barre de description si j'arrive à retrouver le lien. Ici, un peu de déco. Hop. Voilà. Toute la page entière est ici. Hop. Ensuite, vous avez ici donc un album. Enfin, les pages qui sont tenues donc, du coup, par des œillets. Ça vous fait comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Donc sur le premier, c'est comme ça. Voilà, donc là j'ai utilisé vraiment toutes les couleurs qu'il y avait dans le bloc. Avec toujours un petit peu de déco par-ci par-là. Pas trop puisqu'il faut avoir la place ici pour mettre les photos.
Donc avec tous ces petits citrons. Ensuite, j'ai découpé sur les chutes de papier des petits citrons ici que j'ai collés là et que j'ai collés ici. Ensuite, on passe à l'autre côté de l'album avec ici. Là, voilà, j'ai découpé les petites pancartes qu'il y avait et j'ai laissé en passant pour mettre ici une photo. Hop, et ici, voilà, vous avez toute la page qui représente la mer. C'est un album qui est très peps, hein, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de couleurs. Voilà. Et ensuite, il se referme comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc comme ça, ça nous fait un album. Je vous dis tout de suite la mesure de cet album. Il fait 22 sur à peu près 15. Vous avez ici une tranche de 4 et ici une tranche de 3,5. Voilà. Donc voilà pour cet album de présentation. Donc moi je ne vais pas faire du tuto puisque franchement j'ai vraiment suivi le tuto l'éternité pour toujours vraiment à la lettre. Ouais c'est ça, vraiment tout comme elle. Donc du coup voilà, je ne vais pas faire de tuto pour cet album. Je vous laisse aller voir son tuto à elle pour essayer de refaire cet album avec la collection que vous souhaitez. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.